retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va être un haul Noz. J'ai été faire un petit tour dans mon magasin Noz. Ça faisait un moment que je n'y étais pas allée. Du coup, j'ai trouvé des petites choses intéressantes. Mais pour commencer, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai reçu récemment. Donc, j'ai reçu en fait des boules pour machine à laver de la marque Les Gargouilles. Donc on les a vu passer assez souvent sur YouTube, ces petites choses-là. Et du coup, ils m'ont proposé de les tester et j'ai accepté parce que je trouve le concept vraiment pas mal. Vous savez que je m'intéresse quand même pas mal à tout ce qui est pour la planète, etc. Écologique, quoi. Et du coup, ça, c'est plutôt pas mal. Donc ce sont... Si vous ne connaissez pas ces petites choses-là, ce sont des boules que vous allez placer dans votre machine à laver en remplacement de votre lessive. Donc ça nous promet que ça respecte l'environnement, que ça préserve les océans, que ça a un emballage éco-responsable, oui, puisque l'emballage est tout en carton, que ça respecte la peau. C'est une alternative saine, écologique et plus efficace qu'une lessive traditionnelle. Donc une boule équivaut à 1500 lavages à peu près. Il nous explique qu'il faut placer les gargouilles directement dans la machine avec les vêtements, que vous pouvez les utiliser jusqu'à un mode de lavage de 60 degrés au niveau de la température maximale. Vous ne pouvez pas utiliser par contre pour plus de 60 degrés, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, vous pouvez remplacer votre adoucissant par du vinaigre blanc, c'est ce qu'il nous explique dans les instructions. Placez les gargouilles au sec ou au soleil une fois par mois pour augmenter leur longévité, à savoir qu'ils ont une durée de vie d'à peu près 4-5 ans à la fin des 1500 lavages. Les gargouilles sont recyclables, donc vous les mettez tout simplement dans votre poubelle jaune puisqu'elles sont en plastique, je pense, recyclables. Et du coup, ça, ils nous disent que les vêtements sortent propres et sans parfum chimique, que... Grâce à cette petite chose-là, on économise à peu près 1040 euros par an, puisque c'est ce que dépense en moyenne un Français pour de la lessive. Donc économiser jusqu'à 1040 euros de lessive, ça prévient de la dégradation des eaux, et ça augmente la durée de vie de vos habits, ça élimine les mauvaises odeurs et nettoie vos vêtements, c'est hypoallergénique, hypoallergène. Je vais vous montrer comment ça se présente. J'ai un petit code promo pour vous si ça vous intéresse. Je vous mets tout de toute façon comme d'habitude dans la description. C'est JulieFamily10. Il est valable pendant 3 mois et une seule fois. Mon code promo, il vous donne 10% de réduction. Donc ça se présente comme ceci. Vous venez mettre ça directement dans votre machine, dans le tambour avec les vêtements. Et ça va les nettoyer. Vous rajoutez rien du tout. Ou alors, comme ils nous disent, du vinaigre blanc en tant qu'adoucissant. Donc voilà, je suis super contente de pouvoir tester ces petites choses-là parce que ben, si c'est vraiment très efficace comme ils le disent, ben, j'achèterai plus de lessive. Et j'ai regardé un petit peu des revues et ça a l'air vraiment très efficace. Donc c'est pour ça que ben, j'ai accepté de tester parce que voilà, je trouve ça super bien. Si ça peut remplacer les lessives, faire économiser des sous et en plus être bon pour la planète, moi je dis que c'est super. D'ailleurs, je vais avoir la possibilité de vous les faire gagner lors d'un concours que je vais sûrement organiser sur Insta. Donc, bah, venez me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous le mets juste ici et je vous le mets aussi dans la description comme d'habitude puisque bah, c'est là-bas que je vais faire le concours. Donc, venez nous rejoindre là-bas. Comme ça, bah, je vais permettre à l'une d'entre vous de gagner un lot de gargouilles. Donc, voilà. En tout cas, je remercie la marque de m'avoir envoyé ces petites boules-là. Ça va être top. Je les remercie beaucoup de me les avoir envoyées. Et on va passer à mes achats chez Noz, du coup. Comme vous le savez, je ne vais pas très souvent dans le mien, puisque c'est très très souvent le bazar et tout. Je vous ai déjà montré des photos. Ben, c'est toujours pareil, il est toujours dans cet état-là. Mais bon, j'ai été faire un petit tour quand même pour voir s'il y avait des petites nouveautés, des petites choses intéressantes. Et c'était le cas. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Pour commencer, et pour 1,99€, j'ai trouvé un petit mémo Moomin pour Lenny. Il aime beaucoup ce genre de petits jeux-là. Je crois qu'il vaut une quinzaine d'euros de base. Et là, il était à 1,99€. Il se présente comme ceci. Et vous avez à l'intérieur 24 pièces. Donc, c'est un mémo. Hein. Le principe du mémo, c'est de retourner les pièces et de retrouver les paires. Donc, voilà. C'est de la marque Moomin. Comme ceci. Voilà. Il est dans une jolie boîte cartonnée. Et du coup, c'est à partir de 3 ans. Et il y a 24 mémos à l'intérieur. Donc,
super bonne affaire. J'ai trouvé un jeu de société, donc ça c'est un jeu pour toute la famille, enfin c'est à partir de 8 ans du coup, un petit peu juste pour Lenny, mais sinon pour les filles, Louis et puis pour nous. Donc c'est un jeu pour de 2 à 8 joueurs qui dure 30 minutes à peu près pour une partie. Donc c'est le Space Ball, et ça quand on était chez nous, on a regardé sur internet ce que ça valait. C'est un jeu qui est déjà très bien noté, je crois qu'il est noté 4,5 sur 5, et qui vaut pareil une quinzaine, entre 10 et 15 euros sur certains sites. Et là, on l'a eu à 2,99 € moins 50%. Donc 1,50 € ce jeu de société là. Il y avait pas mal de jeux et de jouets qui étaient soldés à moins 50%. Je pense que c'est les restes des jouets de Noël, etc. Ensuite, j'ai déjà déballé ce que j'ai préparé pour les installer. Mais vous savez que chez Noz, on trouve très souvent des figurines pop. Et là, j'étais super contente parce que j'ai trouvé des mini figurines pop. À la base, ce sont des porte-clés. Mais du coup, moi, j'ai enlevé le porte-clés pour les mettre directement dans des étagères. Donc, j'ai trouvé le couple Mickey et Minnie à 3,99 €. Donc, c'était dans une petite boîte comme ceci. Et du coup, les figurines sont juste trop mignonnes. Donc, voilà comment elles se présentent. Petite figurine pop Mickey et Minnie. Ensuite, j'ai trouvé de Toy Story, parce que j'adore tout ce qui est en rapport avec Toy Story. Donc là, j'ai trouvé Woody. Il se présente comme ça. Pareil, je lui ai enlevé le porte-clés de la tête. Un petit truc là qu'on met en métal pour pouvoir le poser sur une étagère. Donc, il est comme ça. Celui-ci était à 2,50 €, ce petit Woody. Mais j'ai trouvé le Buzz l'éclair au même prix. Donc il est comme ça, vous voyez, j'ai mis de la pâte à fixe sur ses pieds parce que sinon il ne tient pas debout puisqu'il a un petit pied en l'air. Il est juste trop mignon, je trouve qu'ils sont trop bien faits. Toujours de Toy Story 4, donc là celui-ci c'est Toy Story 4 et le Woody là c'est le Toy Story original du premier. Donc là j'ai trouvé la bergère, donc voici la boîte. Toujours au même prix, et la bergère se présente comme ceci. Et pareil, elle est trop mignonne. Elle est aussi sur de la pâte à fixe parce que elle ne tient pas debout, les pieds sont pas assez larges. Du coup, je vais l'installer comme ça. Comme j'ai fait pour mes tout petits Toy Story, ils ne tenaient pas, du coup je les ai mis sur de la pâte à fixe dans l'étagère. J'ai trouvé de la Reine des Neiges 2, je suis pas spécialement fan. J'aime bien, de toute façon j'aime bien tout ce qui est Disney, donc j'ai vu le 1, le 2 avec les enfants, on l'a vu même plusieurs fois, et du coup comme elles aiment beaucoup la Reine des Neiges 2, là j'ai trouvé Anna et Elsa en figurine pop, du coup je les ai prises, elles étaient pareilles à 2,50 €, donc elles sont comme ceci, donc voilà Elsa avec sa petite cape transparente, donc elles sont trop bien faites avec sa petite natte, et Anna... Voilà, pareil, elles sont sur de la pâte à fixe parce qu'elles ne tiennent pas toutes seules. Parce qu'à la base, c'est des porte-clés, ces figurines-là. Donc voilà, super contente de les avoir trouvées. Je pense que les filles vont être très contentes quand elles vont les voir aussi, parce qu'elles ne les ont pas encore vues. Je me suis pris des petites brassières. Donc ça, c'est pareil, je ne les avais pas vues la dernière fois. Donc je pense que c'est un arrivage qu'ils ont eu. Donc c'est des petites brassières toutes simples comme ça, en coton. Il y avait du gris, du blanc, du rose et du noir. Donc moi j'en ai pris 3, j'en ai mis une là pour tester et du coup je ne vous les recommande pas. C'était à 99 centimes et en fait j'ai juste tiré un peu pour la remettre et j'ai une bretelle qui s'est déjà décousue. Donc je pourrais la recoudre facilement mais du coup c'est pas de la super qualité. Il y avait plusieurs tailles donc moi je les ai prises en XL. Elles sont en 95% de coton et 5% de spandex. Donc voilà, après est-ce que je suis tombée sur une qui était un petit peu abîmée, j'ai pas fait attention. Sinon c'est 99 centimes la petite brassière comme ça. C'est des petites brassières, pas de sport hein, parce qu'il n'y a pas un maintien fou. Mais des petites brassières pour être à l'aise à la maison par exemple. Donc voilà, 99 centimes, ils avaient aussi des petits shorties, ils avaient plein de petits sous-vêtements comme ça dans cette matière dans mon ose. On va passer déjà à mes deux derniers articles. Comme je vous disais, c'est pas, j'ai pas trouvé énormément de choses, mais j'ai quand même trouvé des petites choses intéressantes. Donc là, pour 2,50 €, j'ai trouvé des barbes à papa, des puzzles. Ils avaient énormément de choix, il y avait beaucoup de choses, vraiment à tout petit prix. Donc pour ceux qui aiment les barbes à papa pour les enfants,
Bah, j'aime beaucoup les Barbe Papa. Eleni et Louis aiment aussi beaucoup les Barbe Papa. D'ailleurs, tous les matins, ils regardent bah, sur TF1 les épisodes de Barbe Papa avant d'aller à l'école. Donc, ça, ils ont vu et ils ont hâte aussi de les essayer. Donc, celui-là, c'est le camion de transport. Et à l'intérieur, vous avez des puzzles. Vous en avez 9 en tout, de 50 pièces. Et vous avez du coup les Barbe Papa en mode véhicule de transport. Donc, ça se présente comme ça. Il fait une fois tout assemblé 1,30 m de long, donc c'est un gros puzzle. Et les puzzles, il y en a des petits de 4 pièces, de 6 pièces et de 8 pièces. C'est à partir de 3 ans. Donc c'est plus pour Lenny, mais Louis pourra très bien le faire avec son frère pour s'amuser. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci qui était à 3,99 €. Donc il est assez lourd. C'est pareil, c'est des Barbe à Papa. Et là, c'est carrément le circuit. Il y a 43 pièces à l'intérieur, c'est un géant puzzle de route Barbe à Papa. Donc ça, Lenny, les véhicules, les routes, les circuits, etc. C'est son truc, donc il va être trop content. Donc celui-là, dedans, vous avez, ils nous disent, puzzle routier avec Barbe à Papa. Il fait 3,50 m de long. Vous pouvez faire plusieurs circuits. 3,50 m, c'est quand vous faites la route comme ça, avec la maison des Barbe à Papa au bout, le parking. Dedans, vous avez les Barbe à Papa, les enfants des Barbe à Papa, quoi. Vous avez des panneaux, vous pouvez faire celui-ci et vous pouvez faire celui-ci. C'était vraiment pas cher du tout. J'ai regardé un peu sur Internet, d'ailleurs sur Amazon. Ces puzzles-là, ils valent entre 15 et 30 €, voire même plus sur certains sites. Donc ça valait grave le coup. Je pense que c'est un arrivage Barbe à Papa, il y en avait d'autres, hein. Mais j'allais pas tout prendre non plus. Donc ces deux-là, surtout les véhicules et la route, c'est ce qui intéresse beaucoup Lenny. Donc très contente de ma trouvaille. J'ai trouvé des petites choses comme ceci et j'étais très contente de les trouver. Ça coûtait 1,09 € et en fait ce sont des petits parfums, huile de parfum solide sans alcool, infusion bien-être de la marque Mon Petit Paradis de Provence. Donc là, j'ai pris l'infusion bien-être verveine. Ça se présente comme ça. C'est un petit stick en fait. Vous venez, moi je les ai mis un peu au frigo parce qu'en rentrant, ils s'étaient un petit peu liquéfiés puisque c'est du parfum solide. Du coup, ça fond un peu. Donc c'est un petit stick comme ça. Vous venez tourner du coup pour le sortir. On vient déposer une touche parfumée au niveau des points chauds du corps, tempes, cou, base de la nuque, intérieur des coudes et des poignets ou encore à l'arrière des lobes des oreilles. Une retouche parfumée à tout instant de la journée. Donc c'est une concrète de parfum appelée aussi parfum solide pour allier soin et parfum. Et ça sent trop bon. Sans alcool, c'est à l'instant spa. Donc j'ai pris celui-ci qui sent la verveine. Ensuite, j'ai pris le rose qui sent la feuille de figuier. Donc c'est exactement le même principe. C'est un petit stick. On a une petite protection et on vient tourner du coup pour faire sortir notre parfum solide. Ça sent trop bon. Il y avait quatre parfums différents. Donc voilà. Il y en avait beaucoup dans mon nose. Il y avait plein de paquets. J'ai pris le bleu qui est vague d'embrun algue velours. Je crois que celui-là aussi il sent trop bon. Ah ouais, ça sent trop bon. Donc je ne vais pas vous le ressortir. Hein. C'est exactement la même chose en petit stick comme ça. La même marque. Pareil. Et pour terminer, j'ai pris celui qui s'appelle Bain de soleil sucre de canne. Donc celui-là, bah c'est exactement pareil. Hein. C'est une huile de parfum solide. Il est orange et au niveau de l'odeur, je crois que c'est ma préférée. Ça sent vraiment un parfum très sucré. C'est super agréable. Donc voilà, à mettre un peu là, un peu là. Un peu là, un peu là. Enfin, vous mettez ça où vous voulez. Vous pouvez le mettre dans votre sac. Après, je vous conseille quand même de les mettre un peu au frigo, surtout s'il fait chaud. Voilà, l'été, quand il va commencer à faire un peu plus chaud, parce que sinon, ça va fondre. Et du coup, ça risque de couler, je pense. Mais voilà. Je connaissais pas du tout ces petits parfums-là, comme ça, en solide, en stick. Et je trouve ça très sympa. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans votre nose si ce genre de petit parfum vous intéresse parce que je pense aussi que c'est beaucoup moins cher que le prix de base. Moi, je chercherai de toute façon, je vais vous dire combien ils valent dans d'autres magasins. Mais en tout cas, là,
C'était 1,09€ dans mon Nose, le petit stick. Ça, c'est tout pour mes achats chez Nose. J'ai pas trouvé énormément de choses, mais quand même, je trouve que c'est des articles plutôt sympas et qui valent le coup. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous les partager. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme d'habitude, à me laisser des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à venir nous rejoindre sur Insta. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Thank you.